Bonjour, je suis Jean-François Casabonne, je suis directeur du bureau français à Taipei. Bonjour, je suis Cécile Renaud, conseillère de coopération et d'action culturelle au bureau français de Taipei. 大家好，我是台湾女性影展的策展人吴昭慧。 Je vais vous parler aujourd'hui de Simone Veil, en tout cas de l'effet ou de l'importance qu'elle a pour moi. Que j'ai découvert quand j'étais un jeune adolescent, dans les années 70, quand elle est devenue ministre, et que j'ai vu au fur et à mesure des années s'engager pour de nombreux combats qui étaient tous des combats justes et importants. C'est une personne, à mes yeux, très inspirante, que j'admire à plusieurs titres. Je suis tout d'abord très impressionnée par son engagement. Toute sa vie, elle s'est engagée pour différentes causes et parfois à l'encontre même de sa famille politique. Pendant la guerre d'Algérie, elle a travaillé au ministère de la Justice et elle a œuvré pour que les condamnés à mort en Algérie puissent revenir en France et donc y être sauvés, alors qu'à l'époque le climat était très très tendu sur ce sujet. Et je suis frappée, j'ai écouté à plusieurs reprises son discours à l'Assemblée nationale lorsqu'elle a défendu la loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse. Elle est seule face à une assemblée d'hommes qui, elle n'est pas du tout sûre d'avoir une majorité pour faire passer cette loi. Et en fait, elle parle très calmement, lentement, avec un vocabulaire extraordinaire. Et elle ose aborder les questions les plus compliquées à l'époque avec beaucoup d'empathie. C'est une femme qui a vécu une tragédie épouvantable dans sa vie, dans sa famille, alors qu'elle était enfant, avec la Shoah contre les Juifs de France et d'Europe en général. Et qui pourtant s'est toujours tournée vers l'avenir, vers les valeurs humanistes, vers le souci des autres, dans un esprit de positivité, de construction qui est en vérité étonnant et très admirable, bien sûr, dans tous les combats qu'elle a menés en faveur des femmes, en faveur de l'Europe et au fond en faveur de nous tous, de l'humanité et de notre avenir commun. C'est pourquoi elle reste aujourd'hui dans la mémoire des Français, y compris des jeunes générations, une sorte de référence universelle. Et Olivier Dahan, le réalisateur du film, a pu dire dans une interview après Auschwitz, tout est accessoire. Et moi, je me demande si on pourrait pas dire après Auschwitz, plus rien n'est impossible. 我觉得这部片很重要的一点就是他有带到他早期的一些经历，就是包含他尚未从政之前作为一个法官，那他其实很常在倡议的是囚犯的权益。那除了这个部分之外，他也有带到他当时身为一个职业妇女，他如何在家庭跟职业之间进行取舍，或者是怎么样子进行平衡这样子一个挣扎，都有收录在这部片当中。他所倡导 的保障女性堕胎的权益，其实在今年也有看到，全世界包含美国有很大的一个突然的反转。我觉得透过这部片，反而让我去看到现在也许是享有很多理所当然的自由或者是权利，但是这个理所当然背后其实都是一场硬仗。可以思考说，那回到台湾的情境又是如何呢？ 那就郑重推荐给大家，谢谢。 Tous les jours, je vois maman. C'est ma force. Maman, regarde-moi. Et mon modèle. Tous mes combats, c'est elle. Pour elle.